which was my place and which was not. Thought I had a good shot, I took it right in my eye. Look ahead, look behind, take another. Hello guys! Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Dans le fond, avec tout ce qui s'est passé cet été, il y a eu beaucoup de changements. Ben, tu sais, le bébé est arrivé, j'ai des complications. Fait que c'est pour ça que j'ai pris un petit break pour moi, pour me ressourcer. Puis là, on vient d'avoir les clés de notre nouvel appartement, de notre nouveau condo. Puis on est encore à l'hôtel, fait que je vais vous faire une petite visite on tour de notre nouvelle place. Lily ici, on a aussi la collection Frozen 2 aussi. Monte, Tom, turn, show me. Allez Lily, make a quick turn. Turn. Wow. What are the princess? Princess boots? Oui. Donc ici on a l'entrée. On voit très mal, là. J'ai essayé de montrer. On a un garde-robe ici. Attends, après, c'est ici, on a une autre place pour notre garde manger. Et ici, c'est comme un espace. C'est toute l'entrée. Attends, Evelyne, maman, faire un tour, OK? Ici, tu as la laveuse sécheuse avec d'autres rangements pour la cuisine. Ici, c'est la cuisine. Avec les loups, puis ici on a le petit Annie Hendrix. Annie Hendrix. On va laisser dormir. Attends, il sleep. Puis ici on a comme une entrée directe de l'extérieur. Puis notre parking est juste en avant. C'est génial. On a décidé d'être ici parce qu'on trouvait que c'était plus facile là, pour l'hiver là, de se parquer là puis juste rentrer avant notre propre entrée. Fait que ça, c'est la cuisine. Tout ici. Oui. Puis ici, on a un salon. Il faut que je figure comment je vais placer ça. Ici, on a une autre pièce. Comme ça, avec un garde-robe. C'est pas mal grand. Puis ici, il y a des, vraiment des longues portes. Je sais pas si vous voyez. Qui sont coulissantes. Je pense qu'ici, je vais faire une salle de jeu parce qu'il y a trois. Ça, c'est comme conseillé comme une chambre, mais il n'y a pas de fenêtre. Je trouve ça un peu plate. Après ça, ici, tu as une salle de bain pour les filles. Coucou! À moi? Puis ici, on a une chambre. Maman? Avec un garde-robe. Oui, mon amour. Prendre un bain. C'est un long garde-robe. Il y a beaucoup de rangements. C'est ça que j'ai comme vraiment aimé cette place-là. Ici, tu as un garde-robe. Ça, c'est bon. Arrache un peu. Ici, il y a un autre salle de bain. Ça, c'est beau. Pour les aimer. Ça, c'est beau. Ça, c'est notre chambre. C'est pas mal grand. Ça, c'est à moi? Ça, non, c'est... ça, c'est la chambre à papa et maman. Quoi, c'est fait? Fait que c'est ça. C'est notre nouveau chez nous pour la saison d'hockey. Ça, c'est à Lily, peut-être? Ça, c'est à Lily? Maman, fait que c'est ça. J'ai choisi ici parce que dans le fond, il y avait beaucoup de place. Puis honnêtement, ça ne me tentait pas de visiter 50 appartements. Puis il y a comme beaucoup de personnes de l'équipe qui ont décidé d'emménager ici. Puis c'est juste deux blocs de où qu'on habitait avant. Puis c'est nouveau, là. On est les premiers à habiter dans ce condo-là. Il y a pas mal de fenêtres. Je sais pas si je vais aimer ça être au premier étage parce que, tu sais, Jimmy part sur des longs road trips. Fait que je penserais pas avoir la chienne. Mais, puis ce que j'aimais d'ici, c'est que mon entrée était vraiment comme
j'ai une entrée extérieure puis me parquer en avant. Fait que je trouve ça complètement génial avec l'épicerie. Tant que monter le corridor puis monter. Evelyne, maman, elle explique quelque chose. Peux-tu me laisser parler, s'il te plaît? Merci, mon cœur. Fait que c'est ça. Bon, fait que excusez-moi, c'était UPS. J'ai un contrat avec une compagnie de rap là, pour bébé. Puis on essaie de me l'envoyer rush, puis genre, ça fait comme 3 fois que ça marche pas. Fait que là, j'ai fait envoyer directement à l'hôtel, ça va être plus simple parce que il va arriver pendant l'heure, faut que j'aille chercher Stella Rose. Deuxième update, j'avais changé de camion, finalement, j'ai changé d'idée, j'ai gardé mon ancien camion parce que c'était ridicule de re-signer pour 5 ans. Puis finalement, il me restait comme un 2 ans de lease, puis ça revenait beaucoup trop cher par mois. Fait qu'on est full squeeze dans le petit Guam, mais ça fait l'affaire. C'est que Jimmy et moi, on est en réflexion si on s'en veut pas en Europe, en Russie ou whatever. Mon Dieu, désolée. C'était Brina qui m'appelait parce qu'elle habite juste en haut, comme l'année passée. Puis elle voulait venir me porter un paquet que j'ai reçu de la compagnie Bizou. Fait que c'est ça, qu'est-ce que je disais? Fait que oui, soit moi et Jim, on est en train de regarder puis penser à s'en aller en Europe pour faire un coup d'argent. Parce qu'en Europe, ils fournissent l'appartement, la maison, whatever, l'auto, puis tu payes pas d'impôts, fait que tout l'argent va direct dans tes poches. Puis là, on est rendu à un stade du milieu à 26 ans qu'on veut commencer à ramasser beaucoup d'argent pour le futur de nos enfants. Fait que on est comme en grosse période de changement, fait que c'était pas vraiment nécessaire de garder, genre, de changer de véhicule. Là, j'aurais été prêt avec un autre 5 ans ou 6 ans de lease parce que maintenant, les leases sont vraiment longs, les locations. Fait que j'ai fait une décision sage. Et on reste avec le Tiguan pour l'instant. Puis on ajustera si l'année prochaine on a une bonne offre encore à Winnipeg ou ailleurs. Bon, on changera. Puis là, on est en train de passer peut-être à une auto électrique. Fait que on va voir. Ça, c'était une petite parenthèse. Puis là, c'est ça. On est à Winnipeg. Là, on pense vendre la maison aussi au Québec. Parce que c'est beaucoup de stress, puis c'est beaucoup de gestion, puis avec mon anxiété, j'ai pas besoin de ça. Fait que gros changement dans notre famille, dans nos vies, fait que c'est pas mal ça. Mais côté couple, tout va très bien, on est toujours en amour. Et avec les enfants, ça va super bien. On s'adapte au nouveau-né, parce que c'est toute une nouvelle transition pour tout le monde. Everly est toujours pas propre, fait que j'ai 2 couches à changer. Puis au début, Everly n'était pas super joyeuse de son petit frère. Elle ne comprenait pas qu'il n'était plus dans mon ventre. Fait que ça a pris du temps avant qu'elle associe son frère au bébé dans mon ventre. Puis là, pour vrai, ça va super bien. Les filles veulent toujours le prendre. Pour Stella Rose, on a toujours un problème de comportement, mais Stella est hyper active. Fait que là, on est en discussion avec le médecin, savoir si elle a besoin de médicamentation. On veut vraiment éviter, fait que je pense s'inscrire à plein de sports pendant l'hiver. Maman. Puis, quoi, Everly? À quelle heure t'as mis là? Hein? Quoi? Sérieux? Sérieux? Fait que c'est pas mal ça, là. Je vous dévoile tout d'un coup, je vous garoche ça. Je vais plus aller dans ce sujet-là éventuellement. Là, je fais une petite vidéo parce que je m'ennuie vraiment et je sais que beaucoup m'ont demandé de faire des vidéos. Fait que c'est pas mal ça. Je vais vous montrer notre vie à l'hôtel aussi. Jim, il repart une deuxième fois en road trip au Texas. Donc, il part demain. Je tombe solo pour 4 jours. Fait que je vais vous montrer comment ça va se passer ce week-end aussi. Là, j'arrête de tourner en rond parce que je vous étourdis toutes. Puis, je m'étourdis moi-même. Fait que c'est ça. Puis je suis vraiment contente de refaire des vlogs. Puis j'espère que ça vous a pas trop manqué. Puis que vous n'êtes pas trop fâchés que j'ai pris une petite pause pour moi-même. J'en avais vraiment besoin. Mentalement, moralement, j'étais très fatiguée. Je le suis encore, mais je remonte la pente. Donc, on se reparle plus tard. Across the street, right there. Oh, I don't see. Cirque du soleil.